Une question reste pendante sur la toile. J'essaie de savoir, LGD, se trouve-t-il dans quelle plateforme politique, vu qu'il y a FCC de Joseph Kabila, quoi, Union Sacrée de Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi la Mouka de Martin Fayoul. Quelle est la position des LGD pour les prochaines élections? Bon, je vous dirais que Matata Ponno, il était dans l'FCC et aussi dans PPRD. Avant de créer son parti politique, il a dit laisser cheminer avec le FCC, laisser cheminer avec le PPRD. Voilà pourquoi il a créé son parti et je vous dirais que ce parti se trouve dans l'opposition. Et nous n'avons pas de plateforme de l'opposition pour vous dire que nous sommes dans un coin ou l'autre coin. Non. Chacun se retrouve là où il est. C'est pourquoi Matata Ponno, il est parmi les opposants du régime actuel. C'est ce que je peux vous donner comme réponse. Vous dites que vous êtes indépendant. Oui, nous sommes indépendants. Nous ne sommes pas dans des plateformes. C'est ça, nous sommes indépendants. Le LGD a un candidat président de la République. Si nous faisons de plateforme, c'est-à-dire que nous devons d'abord avoir un candidat président de la République de notre plateforme. Et maintenant, Matata se présente comme candidat président de la République et vous dire que nous sommes avec tel ou tel qui se présente aussi comme candidat président de la République. Ça ne se consomme même pas. C'est pour vous dire que nous sommes indépendants et nous sommes de l'opposition. Voilà, maître Gestion, quelles sont les craintes que l'AGD maniement, mais avant, pendant et après les élections? Avant, pendant et après les élections, nous craignons fort qu'il y ait des fraudes électorales. Avant, c'est-à-dire, nous voyons déjà ce qui se prépare par rapport aux élections, parce que nous avons entendu les gens dire que nous serons nommés. On ne sait pas maintenant, ils seront nommés comment. C'est la crainte que nous avons avant les élections. Pendant les élections, nous voulons que les gens soient libres de choisir et leur député, le président de la République, en état libre. Qu'il n'y ait pas des contraintes comme le régime, on voit que c'est la dictature qui commence à planer. Voilà comment et nous avons des craintes lorsqu'on aura des élections. Et après, nous regrettons beaucoup que le régime prépare déjà la proclamation d'un président non élu. Comment ça? Parce que lorsque la CENI est fondée sur base de l'ethnie, sur base de provenance, et lorsque la Cour constitutionnelle est fondée sur base de provenance, ou de l'ethnie. Là, vous voyez que c'est quelque chose qui se prépare. Parce que lorsque moi, je suis du coin, parce que je peux proclamer quelqu'un Donc là, d'autre si qui je est. comprends bien, Oui. vous dites que les résultats peuvent être proclamés sans pour autant passer par les chemins logiques. Par les chemins logiques, on peut passer par les chemins logiques, mais la proclamation sera autre que ce qui est passé par les chemins logiques. On peut voter, comme je vous l'ai dit, on peut voter notre président de la République, qui est le sénateur honorable Matata Ponyo. Et lors de la proclamation, c'est quelqu'un d'autre qu'on vient proclamer. Là, nous doutons fort parce que celui qui est à la tête de la CENI, c'est un proche du régime. Et si il proclamait quelqu'un d'autre, arrivé aussi à la Cour constitutionnelle, je crois que ça sera la même chose. Parce que Là, la Cour constitutionnelle est fondée sur base. si je vous comprends bien, vous avez un peu de peur là. Donc, vous rentrez. Non, 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 nous devons dénoncer tout ça OK. avant pour que ça s'arrange. Afin que nous puissions avoir la CENI qui est vraiment pour tout le monde. Et aussi la Cour constitutionnelle qui est vraiment pour tout le monde. Ce n'est pas sur base du régime, parce que le régime a préparé déjà le fraude électoral. Voilà.
Et à part les sénateurs Matata Ponyo, selon vous, qui d'autre peut être crédible, par exemple? Dans ce pays. Ah oui. Et si nous voulons dire la vérité, dans un pays qui se respecte, ce sont des gens comme Matata Ponyo qui peuvent être président de cette République. Pourquoi? Parce que partout vous passerez dans ce pays et vous citez les noms des Matata, on vous dira que Matata, c'est lui qui a fait ceci, Matata, c'est lui qui a fait cela. C'est pourquoi nous, LGD, nous sommes fiers de passer un peu partout et citer les noms des Matata. Parce que nous savons que même les enfants qui avaient encore 5 ans, lorsque Matata était Premier ministre, lorsque Matata était encore ministre des Finances, lorsque Matata était encore au BCECO, savent très bien que nous avons eu cette école, c'est parce que Matata a fait que nous puissions avoir cette école. Et il y a aussi d'autres candidats qui peuvent se présenter, mais avec quel bilan? Pour moi, je vous dis que le seul que je connais, c'est Matata Ponyo. Les D'accord. autres, oh, ça va, c'est les élections, Ok. chacun a son choix, mais moi, je vous dis, le candidat que je dois préférer dans ce pays, c'est le candidat docteur Donc, vous Matata Ponyo. dites qu'à part À le part moi. sénateur Matata Ponyo, il n'y a pas d'autre homme crédible. En tout cas, à ce moment, je ne vois pas. Je ne vois pas celui qui peut être plus que. Il faut avoir quand même honte de dire de n'importe quoi. Parce que lorsque un scientifique comme moi, je peux vous présenter un candidat tel que vous avez entendu qu'il y a des candidats. Il faut d'abord voir ces candidats-là. Il a quel profil? Il faut voir aussi ces candidats-là. Qu'est-ce qu'il peut faire pour cette population? C'est pourquoi je vous dis, avec Matata Ponyo, il a des profils. Il peut faire quelque chose pour ce pays. Il peut faire quelque chose pour la population de ce pays. Voilà pourquoi moi j'ai choisi Matata Ponyo et je n'ai pas quelqu'un d'autre que je peux vous dire que Matata Ponyo. Voilà. Maître Justin, n'est-ce pas que l'opposition, c'est une voie pour l'échec? Pourquoi? Parce que la population a toujours tendance à voter ici de la majorité. Qu'est-ce que vous en dites? Cette population, je crois que ça doit être la population qui n'est pas cette population de la République démocratique du Congo. Fait Étienne Tshisekedi a été toujours de l'opposition. Nous avons déjà fait des élections ici. Est-ce qu'il n'avait pas eu de députés? C'est pour vous dire que la population que nous avons dans ce pays vote pour leurs députés. Pour un président qui eux-mêmes trouve que c'est bon de lui voter. Parce que si c'était ça, on ne devrait pas avoir de voix pour les opposants l'année passée, Mais ça a les toujours élections été comme passées. ça. La population a toujours tendance à aller vers celui La de la majorité. population, ça c'est quoi? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe là-bas. La population trouve chez ceux qui sont dans les régimes, quelque chose à manger. Lorsque vous allez avec un opposant, lui n'a pas l'argent, parce qu'on a toujours l'habitude de dilapider l'argent de l'État, ceux qui sont au pouvoir. Voilà pourquoi ils prennent l'argent pour les distribuer comme des cacahuètes chez cette population. Voilà pourquoi la population vient derrière ceux qui sont dans les régimes. Et maintenant, s'il faut voter, comme la population croit à notre leader, je crois que le vote, c'est secret. Hein. Ça, il faut retenir. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes confiants. Nous sommes confiants, malgré que nous sommes dans l'opposition, mais nous sommes confiants. Nous serons votés par cette Maître population. Justin, pouvez-vous nous rassurer que votre parti remportera la victoire lors des élections? Vous rassurez? Ah oui. Non, je dois quand même vous rassurer que s'il y aura élection, Matata Ponyo sera président de cette République. Là, vous rassurez déjà, vous dites que s'il y aura élection. Matata Ponyo sera le président de la République. D'accord. Ça, je vous rassure. OK. Et s'il y aura élection, dans notre province ici du Maniema, je crois que Matata Ponyo aura, si il échoue, il aura 10 députés nationaux.
Et dans la province, je crois, il aura, s'il échoue, 18 députés provinciaux.